Mes chers internautes, bonjour. Alors si je vous convie aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est pour vous faire mon témoignage du dimanche. Parce que le dimanche pour moi c'est le jour du Seigneur. Et j'aimerais que chaque dimanche soit différent des autres jours de la semaine. Et aujourd'hui j'ai trouvé bon de rendre témoignage de ma foi. J'ai trouvé l'église de Jésus-Christ des Saints du dernier jour qui m'a mené à des clés du ministère d'ange de par ma prêtrise qui m'ont mené très loin dans la recherche, très loin dans les études, très loin dans le travail, et j'en suis reconnaissant à Jésus-Christ. J'aimerais prier Jésus-Christ et le Père Céleste. Et je vais le faire aujourd'hui en ligne. Père Céleste, nous t'aimons. Nous te remercions de ton Fils Jésus-Christ, son sacrifice et toi. Nous remercions de tout ce que tu nous as donné. De la nourriture que tu nous octroies. De l'amour que tu nous donnes de notre prochain. Du pardon que tu nous accordes de nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Céleste, le baptême est le meilleur choix que j'ai fait. Il y a d'autres bons choix que j'ai su faire dans ma vie, Père Céleste. Et je te laisse cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est toujours comme ça que nous prions dans l'église de Jésus-Christ. Nous prions le Père Céleste au nom de Jésus-Christ. Ce que Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Donc nous rendons nos prières au Père, au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans la Bible. J'ai croisé des gens, témoins de Jéhovah, dire qu'ils amenaient les gens à la Bible. Mais j'ignore toute cette religion. Ce que j'en ai découvert, c'est des papyrus égyptiens. Un petit peu rien à voir avec la Bible. Je trouvais qu'il la lisait assez mal. Et à la faculté hébraïque, c'est ce qu'on nous enseignait. J'ai mal lu cette Bible par ces témoins de Jéhovah. Nous avons des guides spirituels très nombreux. Et nous n'en avons traduit que 10%. Tous ces guides spirituels sont inspirés du Saint-Esprit. C'est ce que nous pensons du Saint-Dernier jour. J'aimerais que l'homme ne soit pas perdu. J'aimerais qu'il se retrouve dans sa foi pour un monde meilleur. Et les temps viendront. T'en déplaise à messieurs les abasourdis, les époustouflés. Tout ce qui arrive aujourd'hui était écrit. Il n'y a aucune surprise. Au responsable, la responsabilité. Et je vous laisse ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.